Tout d'abord, il faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est une déferlante. Il y a 10 ans, les réseaux sociaux étaient vraiment l'apanage de quelques spécialistes de l'Internet. Maintenant, chacun d'entre nous peut avoir un espace, une page sur un réseau social. En 10 ans, il faut bien comprendre qu'il y a plus de 2 milliards d'internautes qui sont inscrits sur les réseaux sociaux, un Français sur deux. Donc c'est un progrès, c'est un succès phénoménal qu'on a rarement vu sur une technologie aussi récente. Les réseaux sociaux ont permis en même temps d'être utilisés par tous ceux qui veulent s'engager. Et l'engagement, contrairement à certaines idées reçues, n'est absolument pas en perte de vitesse en France. C'est une appropriation de l'espace public par l'internaute. Désormais, vous, moi, chacun d'entre nous, on peut s'exprimer publiquement via un réseau social. Donc l'internaute qui avant était nourri par les médias traditionnels est devenu producteur de contenu qui peut partager. L'internaute est un émetteur-récepteur. Il faut à la fois reconnaître, valoriser et favoriser ces engagements. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'il faut lutter contre la fracture numérique. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde ait des accès à Internet et sache s'en servir. Alors ça renvoie du matériel, présence partout de points d'accès Internet et de points d'accès gratuits au Wi-Fi par exemple. Ça renvoie aussi à de la formation à travers les pairs, à travers des tiers-lieux. Voilà, il y a tout cet ensemble. Par ailleurs, il y a besoin de financer et d'aider les initiatives. Et on propose un fonds de financement et d'aide financière aux initiatives citoyennes, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a besoin de valoriser, reconnaître, par exemple, reconnaître qu'on acquiert des expériences à travers les réseaux sociaux, à travers l'action, l'engagement sur les réseaux sociaux. On propose la création d'un prix permettant de valoriser l'engagement sur les réseaux sociaux. Et enfin, il y a tout l'aspect de la démocratie, parce que les réseaux sociaux ont bouleversé l'exercice de la démocratie et de la démocratie citoyenne. L'open government, le gouvernement ouvert, les civic tech. Et là, on a besoin d'avancer, de développer. Alors ça implique plusieurs choses. Ça implique d'abord qu'on reconnaisse que ça a un intérêt. Un des grands obstacles à ce que les gens participent, et il y a des sondages qui le montrent, c'est le fait qu'ils ont le sentiment que ça ne sert à rien. Donc il faut montrer que ça sert à quelque chose. Deuxièmement, il faut multiplier des expériences et réfléchir à des formes d'acculturation des élus, des fonctionnaires à ces pratiques, mais aussi réfléchir à la manière dont on articule cette participation et la responsabilité légitime des institutions, comme le Conseil, comme les assemblées, à donner un avis, à voter. Il y a tout cet ensemble, et tout ça, ça peut permettre de favoriser, de reconnaître, comme je le disais, et de valoriser l'engagement citoyen à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est d'abord, faut d'abord comprendre que ce sont des outils, de simples outils technologiques, des outils, et tout dépend de l'usage qu'on en fait. Alors, les réseaux sociaux, c'est extraordinaire parce que c'est la prise de parole de chacun d'entre nous. Cette prise de parole, elle vous permet de coproduire, donc de vous mobiliser, d'avoir des initiatives citoyennes, comme l'a expliqué Gérard. Mais cette liberté de parole, c'est aussi la porte ouverte à tous les excès, aux mensonges, ce qu'on appelle les fake news, aux déformations de réalité, aux manipulations, et à mettre en danger la démocratie. Les réseaux sociaux, c'est aussi, vous êtes en communauté, vous êtes en quelque sorte dans une bulle, puisque vous êtes nourri par tous ceux qui sont membres de vos communautés, et en général, ce sont des amis. Donc ces amis ou ces proches, vous croyez les informations qu'ils vous envoient. Et ces informations, elles sont en plus remontées par un système de calcul qu'on appelle des algorithmes. L'algorithme va choisir, va déterminer à votre place ceux qui pourraient vous intéresser ou les amis que vous pourriez suivre, que vous n'avez pas encore suivis, donc toutes les recommandations d'amitié. Ces liens, ces informations recommandées par l'algorithme faussent notre perception, notre liberté aussi d'acquérir l'information. Donc on est dans une espèce d'information prescrite. Donc ça, c'est un des grands biais que recèlent les réseaux sociaux et qui ont été révélés récemment par les élections présidentielles américaines. On a bien vu qu'un candidat, M. Trump, avait su utiliser les réseaux sociaux pour augmenter la viralité de ses propos polémiques et faire caisse de résonance. Ensuite, les réseaux sociaux, c'est aussi des données que vous livrez gratuitement à ces,
à ces énormes conglomérats qui étaient au départ des simples start-up qui avaient une volonté de partage de connaissances et de liberté de savoir. Mais ces start-up sont devenus des géants de l'Internet qui ont fondé leurs principes économiques sur la gratuité des données. Tout ce que vous livrez sans le savoir, l'heure où vous écrivez, l'endroit d'où vous écrivez, les amis que vous avez, les achats que vous faites, tout ça c'est retenu, gardé, aggloméré dans des énormes centres de données, ce qu'on appelle les data centers, des énormes entrepôts. Et il faut savoir que le numérique, bien que ce soit virtuel, est un énorme consommateur d'énergie, d'électricité, en général thermique, fossile donc, et on est avec une consommation d'énergie qui correspond au transport aérien civil. Les réseaux sociaux, c'est une puissance d'enregistrement de vos données qui sont ensuite vendues à des fins commerciales. On a donc une dépossession de nos données personnelles qui sont remises à des grandes entités privées, ce qui pose un problème. Il faut donner aux internautes des outils pour des usages responsables des réseaux sociaux. Alors, le premier outil, c'est évidemment l'éducation. Et l'éducation tout au long de la vie. Il y a bien sûr les jeunes, c'est important. Il y a une étude de l'université américaine de Stanford qui montre que les jeunes sont beaucoup plus vulnérables que les autres aux fausses informations. Donc là, le rôle de l'école est extrêmement important. Mais il y a aussi les salariés qui vont avoir de plus en plus à utiliser les réseaux sociaux dans leur vie personnelle ou dans leur pratique. Et il y a aussi tous ces gens qui sont victimes de la fracture numérique sociale, qui ont des usages, des difficultés à utiliser Internet et des réseaux sociaux et qu'il faut former. Alors, pour ça, il y a l'école, bien évidemment, et l'école dans une double dimension. La formation de l'esprit critique et deuxièmement, la formation au numérique, à l'utilisation du numérique. Le CESE a déjà dit beaucoup de choses là-dessus. Nous, on veut insister sur quelques idées de ce point de vue. Première idée, la nécessité de développer, d'amplifier l'éducation aux médias et à l'information. Deuxième idée, l'utilisation des réseaux sociaux dans l'école même, autour de projets, avec des tweetés par exemple, pour que les élèves se les approprient, comprennent comment ça marche et comprennent aussi leurs limites. Troisième idée, il faut que dans la formation continue des salariés, la question des réseaux sociaux, de leur utilisation, et plus généralement du numérique, mais des réseaux sociaux, soit présente et soit reconnue. Et enfin, il y a toute la société, d'une certaine manière, qui a une responsabilité dans cette formation, et notamment les médias, qui d'ailleurs de plus en plus développent des sites et des pratiques de chasse aux fausses informations. Par ailleurs, il y a la question de la responsabilité des plateformes elles-mêmes. Il ne s'agit pas de faire en sorte que des entreprises privées jouent un rôle de censeur ou fassent la police à la place de la police. Il s'agit plutôt qu'elles donnent à leurs utilisateurs, à leurs utilisatrices, des outils permettant de cet usage responsable. Et ça renvoie de la transparence. On demande, le CESE demande de la transparence, par exemple, sur le fonctionnement des algorithmes. Il demande qu'on élabore de manière collective, collaborative, un signalement, des signes pour désigner des informations provenant de sites douteux ou pour désigner, pour faire apparaître des viralités artificielles. Troisième ensemble, qui est l'ensemble usage écologiquement responsable. Et là aussi, on pense que la transparence est importante. Par exemple, on propose une étiquette énergétique. Enfin, il y a tout le problème de la protection de l'engagement. Nos données, quand on s'engage, ce sont des données, souvent, qui sont des données sensibles. Donc, on propose deux grandes choses. Premièrement, garantir la confidentialité des échanges. Ça renvoie, par exemple, à la possibilité d'utiliser des pseudonymes pour cacher son identité réelle, parfois. Ça renvoie aussi à toute la problématique très débattue aujourd'hui du chiffrement. Le CESE propose que le gouvernement suive l'avis des organismes compétents en ce domaine, qui disent des choses. Et par ailleurs, il y a toute la question de la problématique des données. Et là encore, sur la problématique des données, pour qu'il y ait maîtrise, il faut qu'il y ait transparence, c'est-à-dire que les plateformes de réseaux sociaux soient transparentes sur l'utilisation qu'elles font des données.
Il faut créer des droits nouveaux pour les internautes en matière de protection de leurs données, de transfert de leurs données, de suppression de leurs données. Et enfin, on propose qu'il y ait une réflexion autour d'un statut des données et des métadonnées qui renvoie à la notion de bien commun, c'est-à-dire de biens qui n'appartiennent à personne et qui sont protégés et gérés d'une manière collective. Bah d'abord, il ne faut pas sous-estimer cet outil, parce que très souvent, on se dit, bon, un clic, c'est facile, on va se mobiliser via une pétition en ligne, et puis ça n'engage pas tellement, ce n'est pas un engagement coûteux, comme des militants, dont il y en a beaucoup au CESE, on a l'habitude en général de descendre dans la rue, ou bien de s'engager beaucoup plus lourdement. Mais en fin de compte, ce qu'on appelle le slacktivisme, ce clic, cette mobilisation par clic, il ne faut surtout pas la sous-estimer, parce qu'elle peut déjà permettre à quelqu'un qui souscrit à une pétition, qui signe une pétition, d'ensuite de s'engager plus longuement sur ce combat qu'il soutient par la pétition. C'est aussi une façon, ça a été aussi une façon de recruter, de parler pour les ONG, mais aussi pour les entreprises, qui voient ça aussi comme un moyen de défendre leurs produits et leurs marques. Et donc il y a toute une stratégie de la communication digitale sur cet engagement, pour attirer des nouveaux engagés, aussi bien pour les causes classiques, et je vous dis, aussi pour le monde de l'entreprise et pour le salarié qui peut ensuite défendre et promouvoir son entreprise. Et c'est en même temps une formidable prise de température de la société, parce qu'un simple hashtag peut tant en temps révéler un mouvement de fond de la société qui pourrait être mal perçu par ce qu'on appelle les institutions politiques publiques d'en haut, et révèle donc une forme de mobilisation sociale comme il y a des manifestations dans la rue. Et enfin, cet outil a aussi permis des mouvements sociaux qui ont entraîné des bouleversements politiques très importants, comme on peut voir à l'étranger, dans les pays arabes notamment, ou dans des régimes autoritaires. En France, les réseaux sociaux peuvent être aussi un formidable outil de la démocratie citoyenne, ce qu'a expliqué déjà Gérard par la Civitec, et donc être utilisé par les institutions existantes pour promouvoir ce qu'on appelle l'opinion, pas de la France d'en bas, c'est de la France par le bas. C'est là où chacun peut devenir acteur de la démocratie. Mais de ce point de vue, il invite notamment les organisations de la société civile, mais les pouvoirs publics à s'appuyer sur les réseaux sociaux, à les utiliser. Et on pense que le CESE, en tant que tel, a un rôle à jouer et peut être moteur et prendre des initiatives en ce domaine. Et d'ailleurs, quand il travaille sur la pétition citoyenne et la possibilité d'être saisi par la voie d'Internet, c'est une manière d'avancer sur ce sujet. Mais en même temps, il y a une chose qu'on dit et qui est importante, c'est que les réseaux sociaux ne peuvent pas se substituer à d'autres types d'engagements. Ce qu'on appelle le présentiel, le rapport direct avec les gens, c'est aussi important. Donc, il ne doit pas y avoir ni sous-estimation, ni surestimation du rôle des réseaux sociaux. Il faut le prendre comme un outil qui a des potentialités, il faut reconnaître ses potentialités, et en même temps, il faut savoir s'en servir et faire attention à des usages responsables. Il faut ni illusion, ni naïveté, ni mépris.